Nayib Bukele, qui c'est président pays Salvador, reprend un deuxième mandat dans l'élection qui fait semaine passée. Population citoyenne remélie, les batailles pour pays de sécurité et touchait plusieurs gros problèmes dans le pays Pali. Li pa nan vole eleksyon ni goumen nan mache kampay 24 sou 24. Pase ou pa ka prezidan sortan pou ap goumen nan kampay pou eli anko. Sinon ou pa bien travay. Paske nan peyi koto bien travay, se popilasyon kap mande pou ale e ou pa bezwen fè trop kampay, yap met ou chef anko se yo vle ou. Mbral bon detay o sije de eleksyon si la, e prezidan Salvadorien, Monsieur Nayib Bukele prend chaise bon chita. Yon lot bon, il craint revendiquer attaque dans des raffineries dans le pays la Russie. Pas oublier m'dou, même Jean Poutine gen droit ou bien bay tête li droit pour frapper Ukraine. Non? Eh bien, Ukraine bay tête li droit tout pour frapper la Russie. Et très bientôt, ou bien nous regarder. Il craint frapper bagay ki pi fragile dans le pays la Russie toujours. Raffinerie a fragile de pétrole, li ka moulo vi lui. Mais il y a l'autre bagay qui pourrait frapper très bientôt. Eh bien, bon, ensemble de détails pour en dedans vidéo si là. Ou connaît non pas déjà c'est Bolivar? Oui. Et plateforme la rele, le rédacteur Info LRI. Eh bien, m'pral met ki choy nan mè ou. M'pral met bagay nan men aux amis. Nayib Bukele avait lui-même pris les devants en proclamant sa victoire les soi-disant scrutés. Ma parole de élection scrutée. Le tribunal suprême électoral, TSE, a officialisé vendredi 9 février la large réélection du président du Salvador à l'issue de l'examen des résultats du scrutin de dimanche. Les partis au pouvoir, Nouvelle Base Ideas, Nouvelle Idée, a obtenu 2,7 millions de voix sur un total de 3,2 millions de votes au Salvador et à l'étranger, soit 82,66% des suffrages après le dépouillement des 8644 bureaux de vote, a expliqué la présidente du tribunal suprême électoral, Dora Martinez, dans un communiqué. Moi, je dis, quel que soit l'idée, ça. Debout un peuple pour admettre au chef, il admet au chef. C'est clair. On pas besoin de battre pour poser bon action dans le pays, mettre leadership pour camper et pas coûter aucune instance internationale qui prend le jour qui vient pour gérer le pays. Instance ça ou pas régler en rien en Ukraine, pas venir pouvoir dans le pays pour là, parce que là les monde des problèmes, instance ça ou pas utile en rien. L'organe de l'ONU des ambassades en Ukraine, il m'a carré blanc. Mais UNICEF avec OMS, avec un paquet de l'autre, toujours bon pour nous faire fréquence sur le territoire monde. Nayib Bukele qui gagne l'élection à 82,66%. Tandis bien, ça veut dire, il y a un à quel niveau population pays a d'accord à monsieur. Non! 3,2 millions de personnes qui ont voté, monsieur prend 2,7 millions. Non, yo. Ça veut dire, li moutro, monsieur pas de opposant dans le pays, pas la pour lui. Après lui, c'est lui encore, lui sont diés dans le pays Salvador. Et la population d'accord avec lui. Et pas de monde qui a osé pour voler l'élection dans le monsieur si là. Parce que lui, il a bon flot, il a bon flot dans les yeux de tout le monde. Il n'a pas même besoin à le compter. Les bateaux et pilonnant. Les candidats du front, Farabando Mati pour la libération nationale, héritier de la guérilla marxiste, eh bien lui-même lui arrivé en deuxième position, 6,25%.
Nèg la nan ka remen 2.66% moun ki deye dola li 6.27%. Est-ce que bezwen palo de 3e nan? Eh bien 3e nan li 5.44%, c'est eh bien Joel Sanchez qui trouve dans Alliance Républicaine Nationaliste, li se nan bo droite. Eh bien selon des comptes finales là. C'est pas élection qui intéresse qui fait une bao information sur là. Même vin di ou le naïf bi ke le commence fait mette gang en bas code. Bon bon instance internationale pour pas qu'être pas utile qui te comprendre pour monsieur problème dans pays pas là. Elle était même prêt tout pour mettre tout dehors si ou pas pédant yo dans affaire pays Salvador. Eh bien monsieur te font gros prison pour prendre nous songe soit pour prendre 40,000 prisonniers. Yo nan pile gros prison qui gagne en Amérique là. Et actuellement là, monsieur, bon, Arsenal va gagner plein d'atout. M'a pas qu'on a d'oublier ça qui est passé dans le pays Salvador. Avant, il y a là, m'on connaît. Ariel a retiré mes bois, mais ça m'a pas qu'on a d'oublier. Et puis, monsieur a metté au nan dépôt. Et il n'y a pas qu'on a pour combien d'années là. Même si m'a dit, après m'a fin mettre au nan dépôt, m'a pas exécuté tout. M'a pas l'envie la voler. M'a pas l'envie la bandit moi-même. De quoi mettez mes sous, son âme repose en paix. M'fin mando dit dernier mot à bon Dieu. Si la presse est dans mon boule recevral, après ça me fait exécuter. Mais monsieur dit même, yo tout yon bon quantité, oui. Mais ou pas n'importe 70,000 dans la prison là. En tous les cas, m'pas prêté, dans le pays d'Haïti ni même, c'est gouvernement qui a bay bandi uniforme. C'est le gouvernement qui a baillé bandits pour défendre le pouvoir. Raison, nous avons une vieille constitution qui manque en pile de choses qui demandait pour changer. Regardez qui j'ai dit, bien habillé sous le gouvernement, il y a un uniforme qui n'est pas ou non. Ce n'est pas un uniforme qui n'est pas un boss qui fait pour vous. Mais certainement, c'est le gouvernement qui n'est pas ou non. Ariel là, pour son bandit, il n'y a pas de rôle de ma veille, il est équipé de bandits. L'Ukraine revendique une attaque de drones sur des raffineries en Russie. Les services spéciaux ukrainiens ont revendiqué une attaque de drones sur des raffineries en Russie dans la nuit de jeudi à vendredi, après avoir annoncé que l'armée avait neutralisé 19 drones ukrainiens. La Russie avait reconnu vendredi qu'un incendie s'était déclaré dans une raffinerie de pétrole à Ilski, région de Krasnodar, sans faire de lien entre cet incident et l'attaque des drones. Krasnodar trouvé dans le site de l'Ukraine pour les gens qui vont suivre 4 là avec moi. Je vais recommencer à montrer l'image encore. Je vais nous faire rentrer dans le local là pour avoir des technologies, pas d'appareil, pas rien. Bon, patiente. Et il y a l'autre bagaille qui nous a fait. Bon, ok. Eh bien, Ukraine lui-même, c'est chaque jour le bon coup, c'est chaque jour le bala aussi coup. Les bagailles là aussi, papa, les Ukraine, papa, les fait si la sac ça. Mais ça, Ukraine, pas les services spéciaux, a dit au foie, des raffineries, Poutine, pas les yon, mais le papa, les deuxième, non. Mais n'y a pas dénoncé que c'est menti que pays Ukraine fait au sujet des deuxième raffineries, c'est dans Krasnodar. Poutine et Ukraine habitent frappé raffinerie là déjà, c'est pas la première fois qu'elle fait ça. Eh bien, attaque ça, c'est dans la région sud, dans le pays Ukraine, à Krasnodar, pas trop loin, derrière près de Crimée. Eh bien, la Russie lui-même qui parlait de l'inétralisé 19 drones ukrainiens, eh bien, il n'a pas dit est-ce que c'est drones qui commettent action ça dans le pays la Russie. Il n'a pas mis les rapports ensemble. Mais le pays Ukraine lui-même, eh bien, il fait qu'on est là, il mettait mes sous la Russie et il frappait très dur. Pas oublier, il y a une raffinerie, son bagage qui est très volatile par rapport à Diffé. Depuis que Diffé prend 50 de pétrole, vous avez vu la quantité de dégâts qu'il a fait en quelques minutes. Eh bien, il a lancé un arsenal drone. Eh bien, la Russie lui-même, il arrive à d'après ça, il dit 19. Reste pas arrivé qu'un BO, eh bien, fait une quantité de dégâts sous territoire russe là. Non pas M. Bolivar, oui,
l'amour pour nous pas jamais fini. M'remet nous en pile. M'salue David Lucien dans le pays Brésil. Merci tout le monde.